vois une sorte de camp sur la rive avec pas mal de sicarios et pas mal de bateaux go fast. Niveau logistique, c'est bien vu. Ça accélère les transports de ravitaillement et de cocaïne. Vous croyez qu'ils développent combien ces hors-bord? Dans les 1000 chevaux? Ça leur sert à quoi vu qu'ils ont déjà le contrôle du fleuve? Allez, à vous. T'en veux un, pas vrai? Putain, ouais. C'est une plantation de coca, en soi c'est légal. Donc c'est légal de s'envoyer de la coca ici? Pour l'altitude, quoi? Pour l'altitude? Ouais, bien sûr. On touche pas à la coca. Je vous signale qu'en rentrant, le premier truc qu'on va nous demander au QG, c'est de pisser dans un bocal. Mais l'altitude, quoi? Ça devient dur de respirer. La ferme. Mobile vers position. Il me faut une meilleure position. C'est carré, okay, je me déplace, c'est bien visible. Dis-moi où? Devant l'hacienda. Reçu. Cible marquée. Ouais, c'est bon. Pas de solution de tir. J'ai perdu le visuel. C'est ici. Il va falloir la jouer fine. Si le cartel s'aperçoit qu'on est là, El Yayo se fait buter dans la foulée. Bien sûr. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Je rejoins la position. Ok, mobile vers la position. Cible repérée, quand tu veux. Je l'ai aligné. J'en ai eu un. Ok, j'y vais. Je vais me trouver une ligne de tir. Cible marquée. J'ai la cible en visu. J'ai perdu la cible. Cible perdue, je répète, cible perdue. Reçu, cible marquée. C'est bon, je l'ai eu. Terre, t'es trop visible. Non, écoute-moi, par favor. Bien sec, range ton flingue, parce que Sueño tient ma famille. Il va leur faire du mal si on ne remplit pas nos... Bamonos, on t'emmène en lieu sûr. Je peux pas partir. Si les hommes d'El Sueño s'en aperçoivent, le cartel va tuer ma famille. J'ai entendu parler de fantômes qui font brûler les bâtiments, disparaître les choses, disparaître les gens. Jusque-là, je croyais à de la superstition. Loin de là,
Et si tu coopères, on peut te protéger. Je coopère. Si vous protégez ma famille. Où est-ce que vous me conduisez? Voir quelqu'un qui a pas mal de questions à te poser sur tes relations avec le cartel. Je veux bien vous dire tout ce que vous voudrez. Quand ma famille sera en lieu sûr. Vous comprenez? Sinon, autant me ramener tout de suite là où vous m'avez trouvé. Le point de rendez-vous est là. Vous en dormez pas. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas rester longtemps sur place. Bien compris. Ah, c'est vous. Vous nous avez rendu un sacré service en capturant la Santera. À cause de son culte, les Sicarios étaient complètement suicidaires au combat. Vous imaginez le stress? Simon Bolivar disait que les États-Unis allaient répandre la misère sur les Amériques. Aujourd'hui, cette misère s'est répandue sur nous. Il dit que Sueño tient sa famille. Fallait commencer par là. Ces quatre soldats sont ta seule et dernière chance de sauver ta famille. Alors dis-moi, tu suis ou tu attends qu'ils crèvent? Sauver ma famille. Ensuite, je déciderai peut-être de vous parler. La famille de Yayo se trouve au village de Bahia Floresta, dans le quartier du cartel. On n'a pas de temps à perdre. Quand Sueño va découvrir sa disparition, il les fera tuer. S'approche de Bahia Floresta. La femme et le fils de Yayo doivent être quelque part dans le coin. On va fouiller le village. J'en vois un autre. J'ai demandé une reco de la zone rebelle. Je me mets en position. J'ai aligné la cible. Regarde la position. Attends, je vais faire griller. Cible abattue. Je crois qu'on les a bien fait. Tout le monde est prêt. Feu. Reçu. Je commence à aligner ces fumiers. J'ai demandé des renforts à Pak Katari. On arrive dans quelques instants. Leur officier fout le camp. Merde! Putain, tu déconnes! On n'est pas là pour tuer les civils! Dégagez! C'est bon, je l'ai eu. Vous en êtes où? Mon invité commence à avoir la bougeotte. Vous avez trouvé la famille de Yayo? On s'en occupe. Compris, mais faites vite, ok? J'aime bien l'ironie, mais je voudrais pas que ce type fasse un arrêt en attendant sa famille. Bien compris. Ok, j'ai la femme et le fils de Yayo en visuel.
Mais nom de Dieu, laissez-nous tranquilles à la fin. Calmez-vous, on est là pour vous aider. No nos deje aquí. Por la Virgen, se lo pido. Nunca, nunca, nunca pensé que le agradecería algo a esos gringos. Pero creo que nos acaban de salvar la vida. Mire para acá. Me touche pas. Calme-toi, Chui. On est avec ton père. Tu crois vraiment que je vais croire ça? Tu crois ce que tu veux, j'en ai rien à battre tant que tu la fermes et que tu fais ce qu'on te dit. Maintenant, suis-moi. On a les deux colis. Y a plus qu'à les rapporter au lieu. Pucha, c'est encore la faute du vieux, pas vrai? Il veut s'enrichir en gardant les mains propres. Ici, c'est soit l'un, soit l'autre. Tais-toi. Rudy fait de son mieux pour sa famille, pour les Cocaleros. Qu'est-ce qui nous dit qu'il est vraiment avec vous? Ou qu'il est encore en vie? Que vous vous servez pas de nous pour l'atteindre? Comme c'est ça... Toi qui t'en as sorti, gamin. Ouais, alors là, je demande à voir. Ustedes blanquinos, Yankees, vous ne faites que du mal en Bolivie. Je suis peut-être trop jeune pour avoir pu manifester en 96, mais j'ai vu les cicatrices sur le corps des Cocaleros. Oh, va te faire foutre. J'en ai plein le cul de toutes ces conneries anti-américaines. On n'est pas ton ennemi. Vous n'êtes pas notre ami non plus. Tranquilo, Miro. J'ai souvent passé des marchés avec bien des démons, mais ça a toujours été pour défendre ma famille, pour faire en sorte que mon peuple, los Cocaleros, survive. Aujourd'hui, mon démon, c'est vous, agent Bowman. Je le regretterai sans doute un jour, mais pour l'instant, le plus important est de gagner un sursis. Bowman a eu ce qu'elle voulait? Personne n'a sauté de joie, mais oui, on dirait bien. Bande d'ingrats. Ils sont au courant qu'on leur a sauvé la peau? Tout ce que je sais, c'est que le cartel aura du mal à fabriquer la cocaïne sans Aliayo. Le reste, on n'est pas censé le savoir. Bien clair. Il faut des vivres pour nourrir les affamés, des médicaments pour soigner les malades. Et pour satisfaire la demande, il faut un produit. La production s'effondrait, nos parts de marché reculaient chaque jour un peu plus. Nous avions augmenté les prix, mais ce n'était qu'une solution provisoire. Il allait falloir importer depuis le Pérou et la Colombie, investir dans la méthamphétamine et la MDMA. Pour nous en remettre, il nous faudrait des années et une petite fortune. Je n'avais pas le choix. Si les hommes tardaient à être payés, qui sait comment ils réagiraient? Mais les plus grands perdants, c'étaient encore les Boliviens. Privés de travail et des moyens de nourrir leur famille, ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Attendre que quelqu'un vienne faire main basse sur les champs de coca. Le cartel possède une flottille de sous-marins qui lui servent à passer la coke en Floride. Je veux que vous les détruisiez. Hola, camarada. J'ai des informations très importantes pour toi, mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? El Sueño. L'un de mes hommes prétend l'avoir vu. Depuis tout ce temps qu'on est en Bolivie, c'est la première fois que quelqu'un qui n'est pas du cartel a aperçu El Sueño. C'est qui exactement ton type? Tu as raison d'avoir des doutes. Les informations sont floues. Mais ce serait logique qu'El Sueño se montre, après toutes les déconvenues qu'on lui a infligées. Il n'a plus de bouchon pour gérer ses affaires. C'est peut-être le moment, nomade. Le moment de faire dégager le cartel de Bolivie. Envoie les coordonnées du lieu de rendez-vous. On y sera.
J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Je rejoins la position. Reçu, je vais me placer. Cible marquée. Reçu, cible désignée. Attention, c'est une tourelle fixe. Reçu, je vais me chercher une position de tir. Je suis prêt, quand tu veux. J'ouvre le feu. Sicario en vue, avec un PM. Le poste d'observation, de ce côté-là. Je me mets en position. Ennemi à terre. C'est bon, je l'ai eu. Leur lieutenant essaie de s'échapper. Prêt ? Feu à volonté. Compris. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. Putain, ils se ramènent par ici. Des ordres. On recherche sur moi. Reçu.